Bien, on m'a demandé quel regard je portais sur les options, les choix technologiques que le Maroc a pris pour l'énergie solaire. Et ce séminaire montre la grande diversité des technologies possibles. Et d'autre part, le fait que l'on opte pour le solaire à concentration, qu'on mette un accent particulier pour que ces 2000 MW électriques montrent finalement une détermination importante du Maroc pour l'approvisionnement électrique, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a vu que ces technologies de solaire à concentration peuvent favoriser une intégration énergétique au sens large, une intégration industrielle, et développer les compétences dans le pays. On a vu l'importance d'un développement de la recherche et du développement, déjà, donc de mieux collaborer entre les universités et l'industrie, et d'autre part, l'intérêt pour les industriels d'avoir des technologies vertes. Et dans ce contexte-là, le plan solaire marocain se positionne très bien. Je trouve que le Maroc a un programme ambitieux, réaliste, réalisable, et ça c'est le plus important, de manière à ce qu'il à la fois se libère de cette facture énergétique colossale, et d'autre part qu'il développe à l'interne ses compétences, son industrie, ses capacités d'exportation, puisque, comme vous le savez, de l'électricité solaire va devenir l'électricité du futur, et l'énergie solaire, l'énergie du futur. Merci.